flamant rose, Phenicopterus roseux, est un oiseau élégant et emblématique connu pour sa couleur rose vif distinctive. Voici une description de cette magnifique créature. Apparence physique, le flamant rose est un oiseau de grande taille, mesurant généralement entre 110 et 150 cm de hauteur. Il possède un cou long et mince, des pattes allongées et des ailes longues et étroites. Son plumage est principalement rose, mais il peut varier en intensité, allant du rose pâle au rose vif presque rouge. Les plumes de vol sont généralement noires, créant un contraste saisissant avec le reste du corps. Les jeunes flamants sont grisâtres et acquièrent leur plumage rose caractéristique à mesure qu'ils grandissent. Caractéristiques distinctives, le flamant rose se distingue par son bec long et recourbé, doté d'une petite denture à l'extrémité. Le bec est généralement noir, mais il peut présenter des nuances de jaune à la base. Il est utilisé pour filtrer les aliments de l'eau et de la boue. Ses pattes sont également remarquables, étant de couleur rose et dotées de doigts palmés. Habitat, les flamants roses se trouvent dans divers habitats aquatiques, notamment les lagunes, les marais, les estuaires, les salines et les lacs côtiers peu profonds. Ils sont connus pour leur préférence pour les eaux saumâtres ou salées. Distribution, les flamants roses sont présents dans différentes régions du monde, notamment en Afrique, en Europe du Sud, en Asie du Sud et au Moyen-Orient. Ils se trouvent généralement dans les zones tropicales et subtropicales. Alimentation, le régime alimentaire du flamant rose est principalement composé de petits organismes aquatiques tels que les algues, les petits crustacés, les crevettes et les mollusques. Il utilise son bec spécialisé pour filtrer l'eau et capturer les particules alimentaires. En se nourrissant, il plonge la tête sous l'eau et inverse son bec pour filtrer les aliments riches en nutriments. Adaptation physique. Les flamants roses possèdent plusieurs adaptations physiques qui leur permettent de s'adapter à leur environnement unique. Leur bec est spécialement conçu pour filtrer l'eau et extraire les petits organismes dont ils se nourrissent. Les lamelles présentes à l'intérieur du bec agissent comme un système de filtration, permettant aux flamants de retenir les proies tout en expulsant l'eau. Leur long cou leur permet d'atteindre facilement les zones d'eau peu profondes où se trouve leur source de nourriture. En groupe, les flamants roses sont des oiseaux très sociaux et vivent souvent en grandes colonies. Ces colonies peuvent compter des milliers, voire des dizaines de milliers d'individus. Vivre en groupe offre de nombreux avantages, notamment une meilleure protection contre les prédateurs, une recherche de nourriture plus efficace et une reproduction plus réussie grâce à la synchronisation des cycles de reproduction.
Reproduction. La saison de reproduction des flamants roses varie en fonction de la région et des conditions environnementales. Les colonies de reproduction se forment dans des zones sûres et souvent isolées, telles que des îles ou des lagunes. Les flamants roses construisent de petits monticules de boue pour y déposer leurs œufs. Les couples se partagent les responsabilités d'incubation, alternant entre couver les œufs et chercher de la nourriture. Les flamants roses sont monogames et peuvent former des liens de couple qui durent plusieurs années. Migration. Certains groupes de flamants roses sont migrateurs, tandis que d'autres sont sédentaires. Les populations qui se reproduisent dans des régions plus froides migrent vers des régions plus chaudes pendant les mois d'hiver, à la recherche de nourriture et de conditions climatiques favorables. Ces migrations peuvent couvrir des distances considérables. Symbolisme culturel, le flamant rose est souvent associé à la beauté, à la grâce et à l'élégance. Il est considéré comme un symbole de l'exotisme et de la tropicalité. On le retrouve fréquemment dans l'art, la décoration et la mode, où sa couleur rose vive est utilisée pour créer des motifs et des motifs attrayants. Conservation. Bien que le flamant rose ne soit pas actuellement considéré comme une espèce en danger critique, certaines populations locales sont menacées en raison de la perte d'habitat, de la pollution, de la perturbation humaine et du braconnage. Des efforts de conservation sont déployés pour protéger les sites de reproduction et les habitats essentiels des flamants roses, ainsi que pour sensibiliser à l'importance de leur conservation. Le flamant rose continue de captiver notre imagination avec sa beauté et sa présence gracieuse. Il est un symbole de la biodiversité et nous rappelle l'importance de préserver les habitats naturels pour assurer la survie de ces oiseaux emblématiques et d'autres espèces qui partagent leur environnement. Longévité. Les flamants roses ont une longévité relativement longue pour des oiseaux de leur taille. En moyenne, ils vivent entre 20 et 30 ans, bien que certains individus aient été connus pour vivre jusqu'à 40 ans.